Récemment, un proche de Sylvie Vartan a fait des révélations surprenantes qui risquent de raviver les tensions autour de l'histoire de Johnny Hallyday et de son entourage. Avant de se marier avec Laetitia, Johnny Hallyday a vécu une histoire d'amour inoubliable avec Sylvie Vartan. Ce couple emblématique de la chanson française a marqué les esprits, non seulement par leur relation, mais aussi par leurs nombreuses collaborations artistiques. Aux yeux du grand public français, ils étaient le couple idéal, écrit Frédéric Kinonro dans Sylvie Vartan, Les chemins de sa vie, une biographie parue le 27 février dernier. Malheureusement, leur histoire d'amour a pris fin en novembre 1980. Une rupture que Sylvie Vartan, aujourd'hui âgée de 80 ans, n'a jamais vraiment surmontée. On ne peut pas désaimer. Je ne pourrai jamais désaimer Johnny, confiait-elle à son ami et avocat Roland Pérez, selon France Dimanche. De son côté, Johnny, de son vrai nom Jean-Philippe Smet, semble avoir partagé ce même sentiment. Quelques semaines avant sa mort, il aurait d'ailleurs exprimé sa peine, comme l'a récemment rapporté Roland Pérez dans Histoire d'amour extraordinaire sur Europe 1. Avant de succomber, Johnny Hallyday aurait reçu la visite de Sylvie Vartan à la clinique Bizet. Elle a demandé à ce que tout le monde sorte, et elle est restée seule avec lui, précise l'ami du couple. Lors de cet entretien intime, Johnny lui aurait posé une question particulièrement douloureuse, « Pourquoi tu m'as quitté ?» À ce jour, on ignore si Laetitia Hallyday, la veuve de Johnny, a été informée de cet échange privé. Ce qui est certain, c'est que cet événement reste gravé dans les mémoires. D'autant plus que le médium Jean Testanière, dans son ouvrage « Messager de l'invisible », Robert Laffont, affirme que Johnny lui aurait confié, « Parmi toutes les femmes que j'ai aimées, il y en a une que j'ai aimée profondément, c'est Sylvie. C'était la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée, c'était vraiment la femme de ma vie. » Si cette déclaration a pu blesser Laetitia Hallyday, la maman de Jade et Joy semble aujourd'hui plus préoccupée par d'autres priorités. En effet, elle a récemment dû être hospitalisée en urgence lors d'une mission pour l'association Les Bonnes Fées au Vietnam, où elle a été diagnostiquée d'une pyélonéphrite.